quand je suis arrivé ici au début, je me suis dit, mais on paye pour ça, mais il se passe rien, quoi. Alors, comment raconter en quelques mots un parcours? C'est bien difficile, n'est-ce pas? J'ai découvert un espace pour moi qui, si je l'imagine, si je devais le décrire, c'est une plaine immense et lumineuse dans laquelle j'étais invité à être moi absolument. Ce qui m'a impressionné chez Rogers, c'est qu'il est un vrai esprit scientifique. Il regarde ce qui se passe, il est ouvert à vraiment regarder ce qui se passe, en tirer les conclusions, et avec ça, il construit quelque chose. On parle aujourd'hui beaucoup, de plus en plus, de la psychologie positive, mais j'ai la profonde conviction que, comment dire, Rogers et puis Maslow et d'autres, mais surtout Rogers, eh bien, sont les pères fondateurs. Il a fait beaucoup de recherches scientifiques au début, à observer qu'est-ce qui peut être aidant dans un entretien aidant. Et c'est comme ça qu'il a construit son approche. Moi, j'ai tout expérimenté dans les nouvelles thérapies, à peu près tout. À ce moment-là, je n'ai pas trouvé ce moment fort d'émotion, de rencontre au fond avec moi, de promesse de rencontre avec moi. Et cette proposition de Rogers d'accompagner au fond le développement de l'autre, en se mettant non pas comme un expert, mais comme un facilitateur de devenir et d'être, m'a profondément bouleversée. Rogers disait qu'une institution, une école, enferme. À la fin de sa vie, il a quand même accepté ce qu'il n'avait jamais accepté aux États-Unis, qu'un institut de forme à sa pensée. Cet institut a été fondé à Lugano. Dans la Suisse italienne, là où j'ai fait d'ailleurs la première session. Enfin, nous avons fait la première session à 60 personnes de la première formation. Les collègues français se sont réunis pour dire il va falloir faire quelque chose, entre guillemets, pour installer cette approche en France. Et la confiance qu'il fallait avoir sur l'approche pour se dire on y va et ça va exister. On a créé le groupe d'études, on a demandé l'autorisation à Rogers qui était encore vivant. D'utiliser son nom, ce qu'il nous a accordé, avec la réserve de ne pas faire d'école. Alors, il avait fait un autre choix, c'était celui qu'on a suivi nous, c'est-à-dire, il y a bien sûr une structure, il y a un groupe, il y a des responsables, il y a des facilitateurs, et il y a une demande aussi. Moi, j'ai dû, à la fin de la formation, fournir un travail, et j'ai eu un diplôme. Et nous arrivons en 97, où plusieurs de mes collègues ex-étudiants que j'avais formés au groupe d'études me disent « Mais enfin, le groupe d'études continue, mais pourquoi toi tu ne ferais pas quelque chose ?» Donc, il s'est trouvé que là aussi, la concomitance de plusieurs événements m'ont poussé à créer l'IFRDP, donc pour continuer à proposer des formations essentiellement à la thérapie centrée sur la personne. Elle a d'abord commencé les formations toute seule et puis l'équipe s'est petit à petit étoffée. J'étais un des membres présents à l'époque, il y a 20 ans. Et elle m'a appelée au début des années 2000. Mais ce qui était vraiment nouveau pour moi, c'était que je me mettais en route pour tenter de comprendre et de créer à partir de mes propres ressources.
Puis je me rappelle d'une soirée avec Elisabeth, une autre collègue à nous, mais qui n'est plus dans, à l'Institut, où on avait beaucoup rigolé parce qu'on choisissait le logo. Voilà, on a fait des brainstorming pour le logo. Le nom a été difficile à trouver avec le sigle imprononçable, me disaient mes collègues. Les premières sessions, j'avais décidé de les faire à Dijon, mais pas à Dijon, pas dans mon appartement. On allait dans ce magnifique lieu qui était l'abbaye de la Bussière. Le groupe d'études aussi venait aussi en formation là, donc on a décidé de ne plus aller à Dijon, mais de venir faire les premières promotions, les promotions qui ont suivi à Paris. Avec un esprit de travail qui sans doute est plus nuancé, est nuancé par rapport à une autre école. Donc chaque école va avoir sa couleur. Hein. En place le conseil pédagogique qui a travaillé de façon, on a travaillé de façon coopérative, collaborative. Voilà. Je suis très fier d'Elisabeth parce qu'elle sait transmettre, déléguer. Elle le fait très activement, consciemment et ça crée du vivant où ça marche bien. Nous sommes allés semer des graines dans l'océan Indien. J'ai reçu deux mails d'un monsieur à La Réunion et d'une dame à l'île Maurice, qui m'ont dit « Votre formation nous intéresse, m'intéresse, mais voilà, faire 6-7 allers-retours pendant 2-3 ans en métropole, c'est pas possible, j'ai pas les moyens. » Voilà. Si vous réunissez, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, pour avoir une formation, eh ben, on viendra. Donc aujourd'hui, on a des thérapeutes centrés sur la personne à La Réunion et à l'île Maurice. Et je pense que si les personnes sont intéressées par cette approche, c'est parce qu'elle offre une expression à des... une expression possible d'une sensibilité dans la relation à l'autre pour être aidant. Et il me semble percevoir que chez les gens de ma génération, il y a une certaine forme de sensibilité qui peut s'exprimer, mais ce n'était pas ce qui était dominant et qu'aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. Je peux être dans une relation amicale et m'apercevoir en train de boire un verre avec un ami, puis de s'apercevoir qu'à ce moment-là, finalement, ce qu'il a besoin, c'est d'être écouté. Très très vite, je vais me mettre dans cette posture-là parce que je sens qu'il en a besoin et juste parce que moi j'ai envie de lui offrir ça. Si les personnes sont là, c'est que quelque chose en eux est touché par cette approche. Combien Rogers, puisque c'est de lui qu'il s'agit, trouve encore des échos? En règle générale, les personnes lâchent un peu leur projet professionnel en première année pour vraiment profiter de la formation, pour se développer elle-même. Hein, puisque dans cette approche, ce qui est thérapeutique, c'est la qualité de la relation entre le thérapeute et le client. Donc ça veut dire que le thérapeute va être aidant jusqu'où il s'est développé lui-même. Qu'est-ce que serait bien de changer cette ouverture, devenir un institut qui forme vraiment la relation humaine dans différents métiers, de sortir de ce regard de tunnel de thérapeute. Du coup, on a de plus en plus de personnes qui arrivent avec voilà, comment être enseignant autrement, comment être dans les ressources humaines autrement, comment être coach autrement. J'ai mis en place en 3-4 ans des cours transversaux avec 5-6 enseignants, collègues, qui fonctionnent bien sur un ensemble de promotions de 180 étudiants. Donc ça marche. Les gens se sentent plus libres et la notation augmente. C'est très, très paradoxal. Donc, si on change la relation, on change quelque chose dans la méthode. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la relation est plus importante que la méthode, ou la méthode, c'est la relation. Ouais. Et c'est ce que j'ai découvert avec l'approche centrée sur la personne. C'est à la fois ses repères, je dirais, mais pas de façon rigide. C'est-à-dire, c'est pas des dogmes, c'est pas... Et puis surtout, c'est quelque chose qui s'incarne. Voilà. C'est vraiment la découverte que j'ai faite lors de cette formation et que je continue à découvrir.
c'est l'importance d'incarner les trois postures. Ouverture, respect, authenticité, c'est vraiment les trois mots qui me viennent. Quand on goûte, quand on touche aux bénéfices de ces trois attitudes-là, que ce soit dans les pratiques professionnelles ou personnelles, c'est difficile de les lâcher. Beaucoup plus que de la pédagogie, j'ai gagné une manière d'être. Et c'est ça que je venais chercher. Une manière d'être dans la relation au savoir, aux étudiants, à moi-même, aux collègues, à l'administration et à l'institution. C'est énorme. D'un seul coup, mes particularités et mes différences devenaient, alors petit à petit j'ai compris, source d'inspiration ou d'enseignement pour l'autre. Avoir ce sentiment-là qu'au fond, c'est OK d'être comme je suis, c'est juste, c'est déjà du bonheur. Mais j'ai senti que tout de suite j'étais dans ma vocation, que j'étais sur le chemin où je devais être en fait, et au point d'en pleurer en rentrant, d'en avoir les larmes de joie quand je rentrais chez moi quasiment chaque soir du premier cycle. La plupart maintenant viennent d'horizons extrêmement différents, viennent du commerce, de l'ingénierie. Je fais du développement informatique. Donc je travaille comme travailleur indépendant. Il n'y a pas de déterminisme dans cette astrologie. Et j'avais envie de développer cette astrologie, mais au travers d'une écoute ouverte. En fait, je suis arrivé à l'ACP parce qu'un jour, j'ai voulu être écoutant public. La relation d'aide est demandée dans tous les hôpitaux psy et c'est devenu... qu'on appelle une formation d'établissement, hein, c'est-à-dire que c'est quasi obligatoire. Depuis quelques années, j'ai eu la chance de tomber par hasard dans une formation liée à la communication relationnelle. Et j'ai découvert à quel point ça pouvait vraiment changer le monde. J'ai la conviction personnelle que parce que je mets en œuvre des qualités dans les relations, j'invite les autres à contacter ces qualités et à les mettre en œuvre pour eux, comme si on était contagieux de qui on est. Il y a beaucoup de rapprochements pour moi entre Rogers, l'approche centrée sur la personne, et puis ce que je fais dans mon travail. Je travaille dans une école alternative auprès d'enfants de primaire, donc entre 6 ans et 12 ans. Je suis entre l'instit, l'éducateur et l'animateur, un mélange un peu entre ces trois métiers-là. Quand je travaille avec les étudiants que j'accompagne, je suis très attentive à les sensibiliser au fait que c'est important aussi qu'ils prennent soin d'eux pour être en mesure d'accompagner l'autre. Donc ces deux dimensions sont la relation. De façon générale, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Et j'ai appris à faire avec... en fait, à ne plus penser que cette sensibilité était un problème pour moi, mais plutôt une richesse et que je pouvais la mettre au service de l'autre, en fait. Et je me dis que peut-être, enfin j'espère, qu'on apporte ça aux personnes, c'est-à-dire de pouvoir se connecter avec les différentes parts de lui-même, aussi à travers toutes les personnes qu'on est dans l'endroit où je travaille. Ouais. Ayant été personnellement chef d'entreprise pendant un certain temps, dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses où on dit à l'autre ce qu'il doit faire, où on est plutôt dans une optique de performance, de résultat, d'avancée, d'échéance. Et là, je me suis rendu compte, en lisant, que tous les entretiens de motivation ou autres que j'avais pu avoir avec les gens, ceux qui avaient marché, ceux qui avaient vraiment fonctionné, c'est ceux dans lesquels on leur avait laissé faire les choses eux-mêmes à leur idée, peut-être à leur rythme, mais en les mettant vraiment au cœur de leur réalisation. Sur scène, c'est plus j'essaye d'aller toujours au plus loin possible de l'écoute de moi-même et de l'histoire.
et de l'écoute aussi de ce qui se passe là tout de suite avec le public pour être aussi connecté, pour qu'il y ait toujours du lien entre les trois sujets, le moi, l'histoire et le public. Et l'ACP pour moi, c'est contribuer à créer un espace où on peut être soi-même. Je m'occupais de la véloroute qui va de Nantes à Budapest. Et je prenais juste la partie du Jura, 54 km. On s'occupait surtout pendant 6 mois de l'année, faire du vélo avec et rencontrer les gens. L'ACP est devenue pour moi une espèce de toile de fond, une espèce de transversalité dans toutes mes formations. Et j'utilise complètement l'approche dans des thématiques bien loin d'ici. Il y a ce que raconte la personne, son histoire, ce qu'elle vient dire. Mais je découvre aussi que ce n'est pas ça l'essentiel en fait. C'est-à-dire d'entendre au-delà, au-delà de la parole, au-delà de l'histoire, et du coup, de le restituer à l'autre aussi, et de l'entendre dans sa globalité, dans sa totalité. À quel point depuis quelques années, depuis une petite dizaine d'années, des mots comme altruisme, bonté, empathie, eh bien, ça, beaucoup de livres sont consacrés à ces thèmes, beaucoup d'intérêt y est porté, et il a été le grand précurseur de toute cette approche qui maintenant est largement reconnue et qui de son temps l'était à mon avis insuffisamment. Pour moi, ce qui est le plus précieux, c'est revenir toujours à la présence qui est le plus important. Et qui est très difficile à mettre en place. Plus notre société évolue vers quelque chose de très technique et très technologique, et plus il y a un mouvement qui contrebalance et qui va sur la dimension relationnelle et la dimension sensible de la relation à l'autre. J'ai l'impression, moi, que ça va s'élargir de plus en plus, ça c'est sûr. Et puis c'est aussi, une manière d'être en relation qui est recherchée aussi par beaucoup de monde. Il s'est rendu compte de son vivant que ses découvertes, enfin ce qu'il avait découvert valable dans une relation duelle, l'était aussi, pouvait l'être dans un groupe, dans un plus grand groupe et peut-être dans un très très grand groupe au niveau peut-être d'une nation ou même entre les nations. Plus on forme des personnes à cette philosophie-là, et plus ça va faire boule de neige, et plus le monde sera meilleur. Ne pas parler, je me disais, c'est presque de l'égoïsme. C'est pas nourrir, il faut nourrir ce qui se passe à l'ACP. Et c'est nourri par ce qu'on est chacun. Je pense que tout être humain, s'il passait par là, améliorerait de 50% sa qualité de vie, quoi, dans quoi que ce soit. Je crois que j'ai été emportée par, émerveillée par, ce qui peut se passer, ce qui se passe quand on laisse des personnes libres de leur recherche, libres de se chercher et libres de se trouver. Je suis fasciné par la vie, par les choses qui évoluent, où c'est pas saisissable. C'est ça, les formateurs qui changent, Elisabeth qui est en poste, tout à coup elle est ailleurs, elle permet quelque chose. Moi je suis plus du tout la même chose que j'étais avant. J'habitais à Bordeaux, maintenant j'habite à Prague. Enfin, c'est la vie en mouvement, c'est génial. Ce que je dirais vraiment, c'est de garder courage pour continuer l'œuvre sans la figer. Et c'est ça certainement le point le plus difficile à atteindre. Et bien ça, on fait du monde qui va continuer à améliorer le monde.